La motion du Parti québécois sur la surexposition des jeunes aux écrans a été rejetée aujourd'hui. Catherine, le parti demandait un nouveau plan d'action. Il faut quand même mentionner aussi que dans le libellé de la motion, on mentionnait qu'il faut admettre que le plan actuel est un échec. Peut-être est-ce que ça a joué sur le vote des caciquistes. Donc, ça a été rejeté 70 voix contre 30 voix. Vous l'avez dit. Donc, ce qu'on demande, c'est un plan d'action pour limiter au maximum le temps d'écran des jeunes. Et on s'inspire de ce qui se fait déjà dans plusieurs pays européens. On a des plans d'action similaires. Donc, évidemment, le chef du parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, était déçu de ce résultat. Je vous invite à l'écouter. Je comprends que vous avez fait là, une planification 2019-2022, là, mais la réalité, c'est que le temps d'écran augmente et est à des années-lumière de ce que la santé publique recommande, avec des conséquences catastrophiques sur la santé de nos jeunes. Dans quel cas, on demande un plan puis des mesures concrètes applicables à la rentrée scolaire en septembre prochain. Pas des études puis des mesures qui peut-être donneront des résultats dans 10 ans. On considère ça comme urgent. Le vote aura lieu aujourd'hui, donc c'est en lien avec l'actualité et je pense que c'est important. Oui, ça survient, Catherine, alors que 4 conseils scolaires de l'Ontario poursuivent Meta, Snapchat et TikTok. On accuse ces géants du web de créer une dépendance chez les jeunes et de les cibler particulièrement. On blâme aussi ces plateformes pour des problèmes de troubles d'apprentissage, du sommeil et d'anxiété chez les jeunes. Également des problèmes d'intimidation qui se poursuivent jusqu'à la maison. J'ai demandé à quelques citoyens ce qu'ils pensaient de cette poursuite. C'est des enfants de chiennes. OK? C'est le profit, profit, le capital pur et simple. Le reste, ils s'en foutent. Nous, nous pensons à nos enfants. Et croyez-moi, si je peux aller faire marcher avec la commission scolaire de l'Ontario, j'irai le faire. Moi, je suis accro à TikTok, puis je trouve vraiment que c'est vraiment un problème puis un fléau, parce que ça fait que t'es vraiment longtemps là-dessus, t'as de la misère à déconnecter puis à décrocher, puis on n'est plus vraiment avec la réalité des fois. Et au Québec, les appareils électroniques sont interdits en classe depuis le 31 décembre dernier. Merci beaucoup, Catherine. Au revoir.